What is love? Qu'est-ce que l'amour? L'amour pour moi, c'est une rencontre. Une rencontre entre deux individus avec des passés distincts, différents. Une rencontre euh, pour créer ensemble une présence partagée qui va peut-être laisser une trace sur leur avenir. Donc je rentre dans le temple de la mort avec des livres. Avec trois livres, trois rencontres avec les textes. Le premier livre, c'est les livres qui touchent de, de mon histoire personnelle. Le premier livre, c'est un livre qui a été écrit il y a 400 ans, par ce monsieur, William Shakespeare. Écrit en anglais, c'est une histoire de rencontre, une histoire d'amour, une rencontre entre deux familles, les Montague et les Capulettes, une rencontre entre Romeo et Juliette. Le classique livre de rencontre de l'histoire de l'amour. On regarde un peu plus les statistiques de ce livre. Ce livre est écrit... Il y a 400 ans, il y a 26 scènes, 5 actes, 33 personnages. Il n'y a pas que Romeo et Juliette, il y a 31 personnages qui ne font pas partie de cette histoire de l'amour. Il y a 24 000 mots. Mais le plus intéressant, c'est que le mot amour, love, il n'arrive que 87 fois. 87 fois, c'est moins qu'une personne de mots qui sont le mot d'amour dans ce livre d'amour. Ça nous interpelle. Qu'est-ce qu'ils font tous les autres mots Pourquoi ils sont là À quoi ça sert d'avoir 31 caractères et 24 000 mots qui ne font pas partie de cette histoire d'amour Je vous laisse réfléchir. Peut-être tous ces mots et tous ces caractères arrivent pour la mise en scène, pour contextualiser, pour ajouter la poésie. Sur l'amour entre Roméo et Juliette. Dans ce livre, vous allez trouver cette phrase: "Find written in the margin of his eyes this precious book of love, this unbound lover to beautify him only lacks a cover." Peut-être voulez-vous voulez que je traduise, mais la traduction va nous poser un problème. Qu'est-ce qu'on va traduire? Les mots d'amour? Le vrai sens des mots? Le contexte? Ou la poésie. Là, vous avez la traduction en français, qui est une traduction qui garde un peu la poésie, mais qui perd un peu le mot love. Donc, première leçon, c'est dans la traduction, on perd quelque chose, ou peut-être on gagne. Est-ce que love, the temple of love, et l'amour, le temple d'amour, sont pareils? Je prends mon deuxième livre dans une autre langue. Je rentre. I enter in the temple of love with a book. Celui-là, c'est une livre ancienne, beaucoup plus ancienne que vaut et juliette On ne sait pas qui l'a écrit. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre Adam et Ève. C'est le Bible. Ce qu'on appelle le Torah. Il y a cinq livres, les cinq livres de Moïse. 80 000 mots, 300 000 lettres, mais le mot amour n'arrive même pas une fois. Mais quand même, c'est un livre d'amour. Adam et Ève, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et Rachel, Yuda et Tamar, Moïse, Tzipoa, c'est un livre plein, plein d'amour, mais le mot d'amour n'arrive pas. Où est-ce qu'on trouve l'amour dans ce livre qui parle du début de l'homme On trouve tout au début, au deuxième chapitre, avec ces mots de Dieu. « Lotov heyot adam levado, et ese lo ezer kenegdo. Vous voulez que je traduise, hein ?« L'Éternel dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai, ezer kenegdo, une aide contre lui. » ou en face de lui, ou à côté de lui. Des problèmes de la traduction. Dieu voit que ce n'est pas bien pour l'homme d'être seul, et donc il va le faire endormir. Il va prendre une cote, et de sa côte, cette cote, il va fabriquer la femme. Il va présenter la femme à Adam, qui va lui donner un nom. Il va lui donner le nom Isha, parce qu'elle vient de Ish. Il va lui donner la nom femme parce qu'elle vient d'un homme. Et après, on a cette phrase magnifique: Al et aviv v'dabak bi'ishto vassar echad. Je traduis. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et deviendra une seule chair. De passés différents une rencontre qui va laisser une trace, qui va changer leur avenir. Les dernières lettres du Bible, c'est le lettre lamed, le son le. Et la première lettre du Bible, c'est le lettre bet, le son b. Si on les met ensemble, si on finit, on recommence, on a l'ève. L'ève veut dire cœur. Deuxième leçon. C'est qu'il n'y a pas un début et une fin. Le fin est aussi le début. Et c'est ça qui donne le cœur. Et on peut penser, je me suis demandé, est-ce que le mot lève est lié au mot love Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé les réponses. Mais love, l'amour, ahava, le Shakespeare, en a lu de gauche à droite. Le Bible, on lit de droite à gauche. Mais est-ce qu'il y a un début ou un fin Peut-être il y a une continuité. Je pose mon livre en hébreu. I enter in the temple of love with a book. Celui-là est encore plus ancien que le Bible. On ne sait pas qui l'écrit, mais on sait d'où ça vient. C'est vient de mon compte, de mon moment d'amour, un rencontre entre ma mère et mon père, un rencontre entre votre mère et votre père, un rencontre entre vous avez dit un sperm et un œuf, et cette rencontre qui est qu'on a vu dans la Bible, Davak qui a un, un rencontre bon très fort qui va créer une seule chair. Ce rencontre bon va créer un nouveau livre. Le livre va venir moitié de la mère, les 23 chromosomes qui vont venir de la mère, ça c'est les chromosomes maternels, et moitié du père, les chromosomes paternels. Et ça va donner un mélange. Un livre qui est moitié du père. Et moitié du mère. Ce livre a écrit dans une autre langue, avec les nucléotides de l'ADN. Quelques statistiques. Dans ce livre, il y a 3 milliards de lettres de, de nucléotides adénine, guanine, cytosine, thionine, A, G, C, T. Regardez la personne à côté de vous. Regardez la couleur de ses yeux, la taille de son nez la forme de son sourire. Les différences entre vous et les personnes à côté de vous, c'est juste 3 millions de lettres. Juste, ça a l'air beaucoup. Mais si vous avez 3 millions de lettres différentes, vous avez 2 milliards 997 millions de lettres en commun. C'est ça le livre qu'on va lire ensemble, la AGCT. Ça c'est une langue que vous ne connaissez pas. Il faut peut-être traduire. Comment on va traduire Heureusement, on a un code, ça s'appelle le code génétique. Ça va nous aider à traduire. On a première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, trois lettres qui vont fabriquer un code qui va nous donner les acides aminés qui vont nous donner les protéines. Donc on me au l'ADN, on va les séparer en trois. Les groupes de trois. Et chaque trois, on va regarder les codes, qu'est-ce qu'ils donnent chaque lettre. Chaque lettre nous donne un acide aminé. Voilà la forme des acides aminés. Ils ont les noms. Threonine, glutamate, methionine, proline, leucine, glutamate, leucine, valine. Ça, c'est la traduction de l'ADN en protéine. Vous avez ça en vous, où on va ensemble. Threonine, on l'appelle T. Glutamate, E. Méthanine, M. Proline, leucine, glutamate, leucine, valine. On a le temple de l'amour. À partir de l'ADN, on a traduit en protéines. Le temple de l'amour, the temple of love. C'est ça le magique de la génétique. Quelques statistiques sur ce livre qui s'appelle le génome. Il y a 23 chromosomes, il y a euh, 3 milliards de lettres, 21 000 mots qu'on appelle les gènes, qui codent comme on vient de faire pour les protéines, mais les parties pour les protéines, ça ne représente que 2% du génome. S'il y a 2% qui donnent les protéines, qu'est-ce qu'il fait les 98% qui ne donnent pas les protéines Exactement la même chose comme le livre de l'amour. Ça donne le contexte, ça donne la mise en scène, ça donne la poésie ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est tout le contexte, toute la poésie, toute la mise en scène du génome qui n'est pas forcément dans le 2% qui est codon. C'est ça le livre que vous avez tous, chacun de vous a ce livre unique du génome. Mais il y a une dernière rencontre. Ce livre du génome interagit avec la planète, avec l'environnement. Il y a une interaction, une rencontre permanente entre notre génome et notre planète, un rencontre bon qui peut-être laisse une trace qui est transmise à l'avenir. Donc, vous voyez la magie de lire ensemble les livres Shakespeare, le Bible et le génome. Et juste pour terminer, qu'on a vu dans le Bible, il n'y a ni début ni fin. Le, le génome, c'est un livre qui a ni un début ni une fin. Qui se lie de droite à gauche et en même temps de gauche à droite, et que vous vous allez un jour rencontrer, transmettre, fusionner pour donner ce qui serait encore une fois un début. La femme peut être d une histoire d'amour et le début de notre livre. Merci.